quand même le texte en arabe, parce que là, bon, c'était là-bas. Je vais vous lire le texte en arabe et après, on va, je vais le faire en tamazight. Pour ceux qui connaissent un petit peu Nasr Riwan, c'est le même style. L'a'tala. كيف حالت العتالة وإحنا كلنا بيطالة ولو نخدم زبالة ما نصور قفالة كيتي على المرة الهجالة واشعينها للعجنة أو لسوق الدلالة القفة خاوية وما فيها كلالة الكرشي لا جاعد ناري على الحلابة قطرة قطرة ولو بشلالة خوفي من العطالة وخوفي من العتالة في المزبالة. Je vous lis le même texte, donc en tamazight. L'a'tala en tamazight du nord de la région de Nador, parce qu'au Maroc c'est Tilifit et tamazight. Donc trois versants, on va dire, de la langue berbérophone. En même temps, il y a le marocain, et tout l'ensemble fait ce qu'on appelle tamravit. Fasiyest. Matta fasiyest, n'shayn brabra t'khidmt. واخا نخدم الطاس وانا ولا صولدي ودي نوخي فتفاجات ما البن نيس غواشتي ني غاو سوا فسياست تخوا ودا يسوالو هاد الدم تشاي تجوز ويوخ وانت يوستن تنقد خيط ثنك واخا سواس ديري هاد شتو اني زي تدخل طوي تجي هاد شتو اينو زي قطو حاجة زيت سوباتش. Je vois que l'assistance est toujours là. J'ai chopé un texte que je lirai en arabe, en français. Désolé pour les autres textes, je les ai expliqués tout à l'heure, mais ceux-là, je n'ai pas encore eu le temps de les traduire. Tous les textes que je suis en train de lire ne font pas partie du livre qui est sorti récemment. C'est des nouveaux textes. En arabe et je vous le dis en français, vous voulez le contraire? Okay. Je commence par l'arabe. Français et après je traduis. Très bien. C'est gentil, c'est bien. On se passe la politesse, c'est très bien. C'est ce qu'il a recherché, c'est ça. Égalité. Très bien. Demande au blâmeur. Ne retiens pas ton cœur. Laisse-le parler. En un instant, tout peut en ruine tomber. Frères, incapables d'avancer ensemble et unis, chacun son boisseau et la patrie divisée. Demande au confus, ne laisse pas ton cœur exploser. Tout est assez et pour la réserve suffisant. Bien pillé et interdiction altière. Pleurer ses ruines, une larme sur le cœur brisé. Demande au ignorant, ne sois pas pour ta fierté négligent. Tu dois tout savoir et avec exactitude. Tu y es responsable et certainement inquiet sur ton identité et ce dont tu en as fait. Demande au mon petit, comme j'ai demandé avant sur mon devenir, et je n'ai point trouvé écho en retour. Sois fier de ta descendance et ton origine. Tu es envié sur les saints lieux que tu occupes, protégé par le Coran comme quoi, et la grâce du prophète Mohammed le Mekwa. En arabe. Is'al ayyuha. اسأل أيها اللائم ولا تخفي ما في قلبك دعه يتكلم في لحظة واحدة كل شيء قد يتهدم عجز الإخوة سويا في التقدم كل وكيلة والوطن متقسم اسأل أيها الحائر ولا تدع ما في فؤادك يتفجر كل شيء كاف وللعولة متوفر
نهب الخيرات بحضر متجبر وبكاء الأطلال دمعة على القلب المتكسر اسأل أيها الجاهل ولا تكن لعزة نفسك هامل لا بد أن تعرف وبالتدقيق الشامل إنك مسؤول وحتما متسائل عن هويتك وما أنت في هفاه اسأل يا صغيري كما سألت عن مصيري ولم أجد أي صدى في طريقي كن فخورا بأجدادك وأصلك العربي كونك محسود على مكانك المحمي بالقرآن وجاه النبي محمد المكي. Merci à vous, je vous applaudissez ici Mathieu. Je ne sais pas si juste pour dire que certains des poèmes, je ne dis pas que je découvre à l'instant, mais à moitié en quelque sorte, qui sont tout récents et qui ne figurent pas dans le livre auquel il a fait mention tout à l'heure. Il faut dire que Abdelhak Sadeki a sorti un livre qui s'appelle La Voix des Fourmis, qui est disponible en vente, qui est sur les quatre langues usuelles au Maroc actuel, les quatre parlées, la masurophone, l'arabe standard, le dialecte marocain et le français, hein, qui tisse la trame du parler au Maroc. Et La Voix des Fourmis, moi si je puis me permettre de finir sur ces mots, je ne peux que lui souhaiter l'avenir des fourmis avec l'histoire du roi Salomon. Lorsque les fourmis ont entendu les pas de l'armée du roi Salomon, donc elles se sont abritées, mais comme le roi Salomon avait la force d'entendre les animaux et d'avoir à sa disposition les différentes forces naturelles, donc il les a épargnées, il a bifurqué la route de l'armée pour laisser libres et vivre les fourmis. Donc, j'espère que la voix des fourmis restera libre autant que faire se peut. Je vous remercie. Merci à vous. Merci au centre d'Israël pour votre dévouement. Merci à l'organisation, donc Brigitte et tous ceux que je n'ai pas pu citer. Voilà. Je remercie à vous également d'être venu jusqu'à l'Église. On va refaire ce genre de message. J'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'espère qu'il nous a fait voyager. Et moi, j'ai en tout cas très apprécié. Merci aussi à Antoine. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et merci d'être venu.